Là où tu travailles, mon frère, sois humble. Même si ton chef n'a pas étudié comme toi, respecte-le, car le pouvoir vient de Dieu. Alléluia. Amen. Et malheureusement, chez nous, ce sont les illettrés qui parlent de l'école. Je veux vous dire ceci. Amanadement, nous avons deux types de manadières. Ça, ce sont des choses dans des écoles de gestion publique. Et vous trouvez les gens qui n'ont acheté que des papiers à Kindele ici. Donc je disais qu'il y a deux types de managers. Il y a le manager rationnel. C'est celui qui a appris la gestion à l'université. La vraie. Oya solo. Donc le manager rationnel. Lui, il a pris la gestion à l'école. Il n'a pas triché. Il n'a pas corrompu. Mais ici, ce sont ces gens qui achètent. C'est pourquoi mon grand-père Bamoya disait que ce qui devait naître de fille, son garçon. Donc, non seulement qu'il a étudié ça, mais il a terminé avec la grande note et dans la pratique, il sait mettre ça en pratique. Celui-là, c'est le manager rationnel. Mais il y a des managers empiriques, les gens qui apprennent sur l'état. Frère, l'enfant d'un commerçant, il finit par développer des réflexes de commerce parce qu'il a vu ses parents faire ça. Il n'est pas, il peut ne pas en connaître le cadre théorique, mais il a des initiatives. C'est comme les enfants des chefs d'État. On n'apprend pas à l'enfant d'un chef d'État comment on dépose les lettres de créance. Depuis le berceau, il a vu les ambassadeurs déposer les lettres de création auprès de son père. Vous pouvez amener votre théorie, mais lui, il a vu ça. C'est ainsi que dans le pays des hommes normaux, à ces gens-là, on donne le doctorat honoris causa. L'histoire mondiale renseigne que le meilleur premier ministre qui a connu la France, ministre Malamu en France, écoute, c'était Beregovoy. Premier ministre Zaki Beregovoy. Il n'avait jamais mis ses pieds à l'université. Il a Kenda n'était loin des colotés. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Donc il y a des gens. Du fait de la pratique. Il y a des gens du fait de la pratique qui ont un quotient intellectuel très élevé. Et ce qu'on doit mesurer dans l'homme, ce n'est pas le diplôme. On mesure le quotient. Amen. Amen, amen. Amen. Schulz, qui a été le président du Parlement européen. Schulz, qui a été le président du Parlement européen. À Katana, na examen de Tanabango deux fois en Allemagne. À deux reprises, il avait échoué. Il a dirigé le Parlement européen. À Yangela, Parlement européen. Mais vous trouvez donc des bourriques, des gens qui n'ont rien à voir avec la science. Les gens qui détiennent les diplômes, qui les amènera en enfer? Parce que ce sont les produits de la faveur, les produits de la tricherie, les produits de la corruption. Ce sont eux qui posent la question aux autres. Est-ce que vous avez le diplôme? Yo, on a un diplôme.
Les diplômes sont très importants. Diplômes à la motouya. Mais il faut les mériter. Celui qui a fait les bonnes études, il connaît ce que j'ai dit. Il ne connaît pas. À demander.